Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Game Dev Tycoon. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est bizarre, j'ai plus de musique, bon c'est pas grave. De toute façon j'avais eu des droits d'auteur sur les autres là, celles d'avant, je trouvais ça bizarre. Donc vous êtes fait... déménager dans le nouveau bureau et la prochaine étape, j'ai trouvé un emplacement idéal situé dans une technopole. Voulez-vous passer au niveau suivant? Donc c'est là qu'on s'en était arrêté la dernière fois. J'espère que cette série vous plaît, en tout cas ça m'a l'air. Et puis on a bien commencé, donc ça c'est plutôt cool. Donc moi j'ai envie de déménager. Voilà, je vous dis ça comme ça. J'ai envie de déménager. On va pouvoir embaucher du personnel, ok. On va attendre un peu avant d'embaucher. Entraîner les employés, améliorer les compétences, etc. Ok. Voilà, donc c'est ce qui est disponible en supplément ici, quoi. Alors, est-ce qu'on avait un moteur de jeu? Si, on avait un moteur de jeu. Je me souviens plus bien. Ouais, si on avait fait des pas trop mauvais jeux, là. On a fait des pas trop mauvais jeux. Il manque vraiment le jeu qui va nous faire décoller. On avait pas trop mauvais jeux. Alors déjà, on va essayer de voir. On peut pas rechercher les fichiers. Sorte de... Est-ce qu'on se ferait pas un jeu? Attendez... Une sorte de... Ouais... Une sorte de train simulator, ouais. Bon, c'est un jeu auquel je joue personnellement parce que j'aime bien ça, mais... Après, la simulation, honnêtement... Je pense que c'est sur PC que ça va le mieux. Même s'il n'y a pas énormément de parts actuellement. Ouais, on va mettre en tout public. En 2D V2. Je pense que gameplay, il y a besoin quand même. Histoire quête, ouais, vraiment minime. On s'en fiche. Même pas du tout. Et un moteur assez performant quand même. Voilà, on va passer un peu de temps sur le moteur tout de même. Puis après, on va embaucher nos premiers employés si on a les moyens. Là, on n'a pas trop de sous encore. J'ai déménagé un peu tôt, d'habitude, je le fais pas aussitôt. Dialogue, hop. Design, simulation, design du niveau. Avec de l'intelligence artificielle. Alors, graphisme, donc ça on a dit qu'il fallait. Simulation, faut un bon son quand même pour la simulation. Design du monde, c'est forcément moins important. Quoique, pour la simulation, design du monde... Comme ça, je pense qu'on est pas mal comme ça. C'est plutôt un test, on va voir si ça marche. Attendez-moi, la G64 sera tirée du match. Elle aura pas fait vraiment long feu. Ça va qu'on a faire sur PC, on doit gagner des parts de marché du coup. Du coup, c'est plutôt sympa. Une bonne technologie, hein. Allez, bah voilà, chie-moi les petites bulles, évite de me chier les bugs comme tu viens de faire. Voilà. On va voir ce que ça donne. On a un nouveau record en technologie, donc un jeu où on aura engrangé pas mal de technologie, ça fait plaisir. Alors, succès débloqué, polyvalent, sortir un jeu dans les 5 genres principaux. D'accord, bah super. Donc on a les nouvelles recherches disponibles. Est-ce qu'on irait pas voir si on peut embaucher un truc? Ouais, bon, c'est bon, d'accord. Wow! Ok, jeu de voir 64 en faillite, ça marche. Ah merde, la formation de gestion du personnel. Ok. C'est bon, j'ai compris. Fais ça. Wow! Un jeu qui m'a l'air de marcher. Cool! On a fait un super jeu, les gens, là. Et bah notre meilleur jeu jusqu'à maintenant. Voilà. Aussi simple que cela. Établissez une nouvelle référence dans l'industrie naissante du jeu vidéo. Bah voilà, bah je pense que Train Simulator, putain comme ça ils vont vite. Rang 1 des ventes, premier rang des ventes, 100 exemplaires la première journée. Rang 1 des ventes. Ce truc de fou. Et ça y est, on a plein de thunes. Ça y est. Rang 1 les deux premiers jours de vente.
Ce truc de fou. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on va essayer d'embaucher sur démographisme et un autre algorithme complexe. Peut-être un mec un peu équilibré au début. Je sais pas si c'est des mots de jeu, ce que c'est en fait. Ah ouais, 610, ah, 710, allez. On va voir, c'est des mots de jeu, je suis pas sûr du tout ce que c'est. Bon, bah c'est super, bah voilà, bah, je pense qu'on a fait notre répute, là je disais que ça me faisait un peu peur. Oui, c'est bon, c'est les nouvelles, on s'en fiche. Mettez sur pause si jamais vous souhaitez. Putain, on est toujours rang 1 quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, c'est des mecs qui sont un peu plus équilibrés. Lui, il a l'air pas mal, lui. Embaucher quelqu'un de célèbre, d'accord. Bah, il est célèbre. Mais tant mieux alors. Puis après, on se spécialisera plutôt. Je pense que c'est mieux. Est-ce qu'on peut pas faire un rapport sur le jeu? Voilà, fais-moi un petit rapport sur le jeu. Est-ce qu'on peut pas te former, toi? Formation aux nouveaux arrivants. Allez, vas-y. Forme-toi! Transport simulation, examen de combinaison, moteur semble être relativement important dans ce type de jeu. Ok. Ah d'accord, je me suis trompé sur le moteur alors. Oui voilà, c'est ce que je disais. PC simulation, c'est bien. C'est excellent. Ok. Bah, nickel. Jeu moyen. On recherche ça direct. Enfin, on est rang 2 encore des ventes quoi. Ce truc de fou. Le truc des malades. Il y a des 3 millions, c'est impressionnant. Oui, oui, d'accord, c'est bon. Est-ce qu'on peut pas recruter... un mec qui est bon en algorithme. Est-ce que j'y passe le tiers de mon budget? C'est la question. Un peu moins. Développer des plus gros jeux. Ouais. Un éditeur, faire publier. Ok, donc maintenant on a la possibilité de choisir un éditeur. Moi je suis pas forcément fan, mais on pourra essayer juste après. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau thème intéressant? Développement de jeu. Bah tiens, on va faire Game Dev Tycoon. Tiens. Allez, c'est vous qui me l'avez proposé en plus. Dans les commentaires. Alors, un mec. Avec une bonne. Ouais. Bon techno. Ouh, joli lui. Ah, lui, il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal. Alors, du personnel masculin et féminin, d'accord. Bah écoutez, on va avoir des succès toutes les deux secondes. Ça y est, c'est parti. Non, c'est pas recherché que je veux te faire, toi, c'est de former. Tu vas faire la formation de vos arrivants. Il m'a coûté cher, ça. Il m'a coûté cher, le salaud. Hein. Il va. C'est quoi, faux d'édition? Ouais, blablabla. Loup-garou RPG, gouvernement stratégie. Non, on pourrait essayer ça. On verra un peu après. Déjà, moi, je vais faire mon jeu. Moyen. Le développement de jeu. Simulation. Sur PC. Avec Basic Motor. Pas mal.
Blablabla, oui, les contrats intermédiaires ont été débloqués. La création de grands jeux est une tâche importante, contrairement aux petits jeux, une seule personne ne peut pas être efficacement. Hein. Créer un bon jeu, vous devrez donc assigner le secteur au monde de votre équipe. Choisissez les personnes donc compétentes pour avoir un meilleur résultat. Donc, il faut un bon moteur. Ça, on l'a vu. Les histoires quêtes dont on se bat les couilles. Donc, design. Il n'y a pas de design là. Donc, si. On va mettre au gameplay. Le moteur, on va te mettre toi. Et toi là. Voilà. Comme ça, tu sers à rien. Donc, c'est parti. Allez, les petites bubules. On se dépêche. Faudra que j'améliore un petit peu mon équipe aussi hein, par la suite hein, bien sûr. Là ça ils vont pas assez vite là. Dialogue, on s'en fout, mais alors total. De toute façon on fait un jeu de simulation. Je sais pas si c'était forcément une bonne stratégie de faire deux jeux de simulation de suite sur PC. On va bien voir. Je sais pas si ça marchera très très bien. Bref, design du niveau, on va me mettre moi. J'ai un peu débordé. Dialogue. Toi et toi en intelligence artificielle. C'est assez. C'est pas très équilibré, mais bon. Je pense que. Ça peut. C'est vaut mieux que je mette les bons. Là où il faut. Et surcharger même un petit peu. Jeu aventure, c'est très populaire en ce moment. Merde. La tendance du marché. Pas changé, c'est pas cool. Alors, graphisme. Ouais, c'est pas cool là, du coup, j'ai personne en graphisme. Il va falloir que j'embauche. Hein. Son, toi tu vas aller en son. Et moi je vais aller en design du monde. Ou sinon toi je te mets en design du monde. Non, c'est trop. Bon écoutez, là je suis moins convaincu sur ce jeu là, pour le coup. Son. Ouais non, un peu moins. On s'en fiche un peu même. Design du monde. Si je bosse un peu quand même. Comme ça va, c'est cool. Bon, vous voyez qu'on a quand même des mecs qui sont bons en techno parce que niveau design, ça laisse un peu à désirer. Nouveau record au moins, on a des nouveaux records. Mais c'est un jeu moyen, donc ça risque d'être un petit peu plus exigeant. Okay, nouvelle annonce, la Vena. Ok. Alors, toi tu vas me faire un rapport sur le jeu. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air de pas rendre trop mal. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai un peu peur, ça fait un peu de tâche. Ok, d'accord, je me suis un peu enflammé. Bon, ça va. On s'en sort. Je recherche mon loup-garou. Alors, par contre, j'ai juste fait un truc, option. Voilà. Beaucoup mieux. Développe le jeu dans le jeu. Voilà. Il me semblait qu'il y avait un succès. Vous me l'avez dit. Ouais, mon Game Dev Tycoon devrait moins se vendre. C'est pas du tout la mode. Et j'avais déjà fait un jeu avant, donc ça m'étonne pas. Rythme, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Est-ce que j'ai assez marketing? Non. Je vais mettre dialogue amélioré parce qu'on va peut-être faire un RPG par la suite. J'ai vu qu'il y avait une offre d'éditeur, donc si on peut avoir ça, ça peut être pas mal. Bon là forcément Game Dev Tycoon, ça fait un peu de tâche, après c'est le jeu qu'on a développé juste avant. On peut pas dire que ce soit terrible. Du coup on pourrait mettre des cinématiques aussi. Le DV3 faudra qu'on s'en occupe après, ouais, monde ouvert.
Moteur relativement important. Plus de jeux et d'équipes. Ok, d'accord. Donc ils sont pas encore super bien intégrés, mais si on fait plus de jeux, ça devrait aller mieux. C'est mieux comme ça. Alors, du coup, on va pas créer un nouveau moteur. Alors, à moins que. Si on a beaucoup de trucs quand même. Parce qu'il y aurait 3DV1. Si on se fait un moteur 3D. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut se permettre. On a Game Dev Tycoon qui à côté fait des petits revenus histoire de compenser un petit peu les dépenses. Bon là ça va, c'est plutôt rapide encore. Investir plus de 100K dans un nouveau moteur de jeu, bah voilà. Parfait, donc on a un nouveau moteur, ça devrait motiver un peu les troupes. On va développer un nouveau jeu. Ils avaient dit. Il n'y avait pas une offre de loup-garou RPG là? Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Allez, ça y est, plus déjà. Enquête stratégique, mais j'ai pas enquête moi. Minimum 8, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Simulation, bah tiens. Sur test, ça marchera pas. Ah, c'est chaud, hein. Bon, moi je m'en fous, je vais faire mon jeu. Donc, hop, on va faire un moyen. Un moyen, ouais. Un moyen, loup-garou, RPG, tiens. Je sais pas trop comment l'appeler, celui-là, je vous avoue. Truc comme ça. RPG, je crois que ça marche bien hein, sur Gameling. Est-ce qu'on mettrait pas un public averti? Ouais, non. Non. 3DV1, allez, on se teste ça. Même si sur la gaming c'est un peu chelou. Histoire quête, gameplay. On est pas mal là. Si moteur, on va mettre un petit moteur quand même. Hein. Merde, j'ai pas. Oh, putain. Qu'est-ce qu'ils me disent? Déchiffrer le message. C'est juste, nous avons récemment parvenu à emprunter des informations de recherche qui. Bah, vas-y, transfert. Ils nous ont fait une recherche. Bah, c'est sympa. Merci. J'espère que ça aura pas trop de répercussions après. Il n'y aura pas de mauvaises surprises, mais bon, on verra. Le design laisse vraiment à désirer. Faut vraiment que j'embauche un designer très très vite. Alors, dialogue à fond. Design du niveau, hop, intelligence artificielle. Hop, les deux. Alors, moi je vais me mettre en design. En dialogue. Non, on va te mettre là. Beaucoup mieux comme ça. Ok, bah là j'irai pas mal de recettes quand même. Game Dev Tycoon. Design du monde, graphisme, hop. Son, on s'en fiche. Alors, Berry va s'occuper du son. Moi, je vais m'occuper du design du monde. Et toi, de ça. Allez, c'est parti, c'est parti!
Allez, faites les bubules, là, les dernières. Ont besoin de se ressourcer. Ouais. On leur accordera des vacances après. Ils travaillent avant. Allez, enlevez-moi ces bugs. Mettez-moi des petites bulles supplémentaires. On a une bonne technologie. Ok, sans tendance particulière, c'est cool ça. Ok, nickel, nickel. Alors, on n'a pas de nouveau record. Je sais pas trop ce que ça a donné. Au moins, ça nous aura peut-être fait évoluer notre moteur. Allez, je t'accorde un congé, toi. Ça aura peut-être fait un petit peu évoluer notre moteur, mais bon, notre moteur 3D V2 là. Formation est primordiale, ok. Oui. Donc regardez, il y a des formations. Mais on va pas les faire maintenant. Parce qu'on a plus de sous. Oh, ça a l'air d'être dégueulasse. Ça a l'air d'être dégueulasse ces notes. Ah, ça a vraiment l'air d'être immonde. Bon, bah écoutez, on se quitte sur un bide. Est-ce que ça me fait perdre des fans? Non, ça va, ça m'en fait gagner. Donc ça va. Tant que ça me fait gagner des fans, ça va. C'est pas grave. Bah, fais-moi un rapport sur le jeu. Toi, tu vas me rechercher un truc. Non. Non, tu me recherches. Ah si, faudrait qu'on regarde les offres d'éditeurs. Attendez. Rythme, mais ça veut dire quoi rythme? Il y a des trucs que tu ne sais pas, j'ai jamais compris. Hein. Enquête stratégie, mais il faut un score minimum de 8, alors c'est vraiment chaud. Tout sujet simulation sur test, ouais, non. Ça, ce serait déjà un peu plus possible. J'attends que tout ça, voilà, ça passe. On récolte quand même quelques sous avec ce Vampire Land là. Mais c'était vraiment un jeu pas terrible. On fera mieux la prochaine fois. On a fait de très bons jeux jusqu'à maintenant. On peut se permettre d'avoir un bide. Ça arrive à tous les éditeurs. Pour le coup, je suis pas le seul. Il fait un max de points de recherche, c'est cool. Ok, et bah écoutez, on va se quitter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ok, donc on s'est chié dans tous les réglages. Bref, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Game Dev Tycoon. N'oubliez pas les lives Facebook, Twitter pour être au courant de toute ma vie, j'allais dire. Mais non, de toute ma vie, je veux dire sur le jeu vidéo, hein, bien sûr. Hein, je reste. Je reste dans les règles, vous inquiétez pas, je ne parle pas de moi, vous en fichez de toute façon. Bref, allez, je vous dis à la prochaine, merci à tous, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude, ça fait plaisir, ciao, bye bye! Et c'est le bordel, inutile de vous le dire, j'ai anéanti, mais alors tellement. Là, je sors d'une bataille de contre 400 ennemis là. Je les ai anéantis, mais bon, mon groupe a pris un petit coup quand même.